Le prochain orateur dans l'exercice du droit de réponse est l'Équateur. Gracias. Merci, Monsieur le Président. Nous avons demandé la parole au titre du droit de réponse pour réagir à l'intervention faite par la représentante du gouvernement actuel du Mexique qui a évoqué ce qui s'est produit à l'ambassade du Mexique à Quito en avril de cette année. L'Équateur est un pays qui respecte le droit international ainsi que les principes et valeurs inscrits dans la Charte des Nations Unies. Que cela soit clair pour tous. Dans son intervention, la secrétaire chargée des affaires étrangères du gouvernement du Mexique a omis de mentionner que cet incident fait l'objet d'une procédure à la Cour internationale de justice. La Cour a rejeté la demande de mesures provisoires faite par le Mexique. On a donc dit une demi-vérité dans l'intervention du Mexique. Avant l'incident du 5 avril 2024, des événements se sont produits qui font la lumière sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les autorités équatoriennes se sont vues obligées à pénétrer dans cette mission diplomatique pour arrêter quelqu'un qui fuyait la justice. Et ce fait a été omis aussi. Il s'agissait de lutter contre l'impunité. Il faut le dire, le gouvernement mexicain actuel a autorisé un citoyen équatorien d'échapper à la justice pour des faits, y compris de violence sexiste. Cette personne a pu rester protégée dans l'ambassade à Quito en tant qu'invité. Le gouvernement mexicain actuel, malgré tous les efforts diplomatiques déployés par l'Équateur, n'a pas remis ce citoyen qui avait fui la justice aux autorités équatoriennes comme il en avait l'obligation. Et ensuite, de façon illégale, le Mexique a octroyé un asile politique à cette personne. En agissant de cette façon, le gouvernement actuel du Mexique n'a pas respecté ses obligations découlant des conventions internationales, notamment la Convention de 1933 sur l'asile politique et la Convention de 1954 également, qui stipule clairement qu'on ne peut pas concéder l'asile à des personnes condamnées ou faisant l'objet de recherches par des tribunaux ordinaires compétents. Et c'était le cas. Le gouvernement mexicain a également violé la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui stipule que l'on doit respecter les lois et les règlements de l'État récepteur et qui dicte l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État récepteur et de ne pas avoir recours aux locaux d'une mission diplomatique d'une façon qui n'est pas compatible avec les fonctions des dits locaux. Le gouvernement mexicain a également violé le principe d'égalité souveraine, celui de l'intégrité territoriale et celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État, des principes qui sont consacrés dans la Charte des Nations Unies, dans la Charte de l'Organisation des États américains et dans le droit international coutumier. Le gouvernement mexicain a aussi violé son obligation de coopérer dans les affaires de lutte contre la corruption, conformément à la Convention interaméricaine et la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003. Ces violations du droit international ne peuvent être considérées comme normales. On ne peut les oublier. C'est pour cela que l'Équateur, le 29 avril de cette année, a présenté une requête contre le Mexique devant la Cour internationale de justice. Merci. Je remercie la délégation.